Et en musique, intéressant, on va s'entretenir avec deux jeunes artistes membres d'un groupe de musique qu'on pourrait caractériser de rock chrétien. Ils seront en spectacle à la Basilique Notre-Dame de Montréal ce samedi. Le spectacle est à 19h30. On vous donnera toutes les informations au cours de l'entrevue. On va les saluer tout de suite parce que j'aimerais quand même qu'on puisse parler de leur univers musical avant d'écouter la première pièce et de vraiment aller plus en profondeur avec eux. C'est Jenny Paquette qui est avec nous. Bonjour, Jenny. Bonjour. Et Marianne Peter. Bonjour, Marianne. Bonjour. De la formation du groupe Rockin' Soul. Alors, déjà, le nom du groupe nous en dit un tout petit peu sur votre univers musical. Je dis rock chrétien, oui. Oui, tout à fait. On va parler de rock chrétien. On va tout de suite écouter une de vos pièces, mais je voulais en parler quand même un tout petit peu avant. Parce que, oui, c'est vrai qu'il y a une place pour l'âme, le soul. Et en même temps, quand j'écoute de vos chansons, des fois, il y a un côté très... terrien, territorial, racine, presque nationaliste. Mais je me dis en même temps, mais c'est pas vraiment ça non plus. Parlez-moi, on va écouter la Fleur de lys dans un instant. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette chanson? La chanson Fleur de lys, c'est une chanson d'espérance pour le Québec, mais pas uniquement pour le Québec. On sait que dans l'histoire, on a eu des difficultés, mais on doit pardonner à ces difficultés-là pour se retrouver au moment présent dans la force, dans l'unité, pour être ensemble. On sait aujourd'hui, dans le quotidien, ça roule beaucoup, puis on a l'impression des fois que les gens sont divisés entre eux. Et ça, un peu partout aux États-Unis, en Europe, ça roule, et les gens sont divisés. Et Fleur de lys, c'est la chanson de l'unité dans la paix pour être un peuple fort et ensemble dans la vérité, dans la justice et dans la foi, parce que tout se passe dans le cœur. Et la foi du cœur, ben, c'est là où qu'on se retrouve en paix. Alors, Fleur de lys, c'est au-delà des limites du Québec. D'accord. Alors, je retiens ce mot unité. Et là, on est en période électorale, d'accord, mais il n'y a pas de référence politique comme telle. On s'entend. On va écouter cette chanson, donc, de la formation Rockin' Soul, c'est Fleur de lys, et on s'entretient avec Johnny et Marianne dans un instant. Vous écoutez Première Loge, votre magazine culturel avec François Beauregard. Oh fleur de lys, oh fleur d'antan, oh fleur de lys, fleur de maintenant, oh fleur de lys, fleur de liberté. Cette nation qui sommeille, c'est une nation en plein réveil. Après tant de bouleversements, oh, on revient fort en chantant. Je me souviens de nos familles. Je me souviens de notre cœur, un cœur de foi. Viens faire la paix au Pascolombe de Pardon. Viens faire la paix, dépose-lui tout abandon. Cette nation qui sommeille, c'est une nation en plein réveil. Après tant de bouleversements, oh, on revient fort en chantant. Laisse
les souvenirs, les douleurs. Viens, viens pleurer et déverse tes larmes au fleuve de la peur. Car il accueille tout son peuple, tout son peuple. Il accueille son peuple assoiffé. Cette île, nation qui sommeille. C'est une nation en plein réveil. Après tant de bouleversements, on revient fort, on revient fort en chantant. On revient fort, on revient fort en chantant. Aux fleurs de lys, fleurs d'une nation. Aux fleurs de lys, tu portes notre nom. Aux fleurs de lys, fleurs des Québécois. En musique rock and soul qu'on entendait et la voix de Marianne Peter, elle est avec nous, Johnny aussi, Johnny Paquette. Je vous rappelle que cette formation rock and soul, ils seront en spectacle du côté de la Basilique Notre-Dame de Montréal. C'est samedi à 19h30 tout juste avant d'écouter cette pièce-là, bon, on parlait de unité, disons. Donc, il y a quelque chose chez vous de du rassemblement, disons. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. En fait, dans la composition, nous autres, comme je le disais préalablement, c'est vraiment de rassembler les gens. Puis la musique a toujours été quelque chose d'unificateur. Peu importe qu'est-ce qu'on vit, la musique rassemble. Et tant qu'à rassembler, ben on peut nourrir aussi avec des paroles qui sont édifiantes pour redonner du courage aux gens, redonner de l'espérance aussi. Donc, c'est ça le but ultime de la Fondation. Dans chacune des pièces, on a cette mission-là, si on veut. Je parlais de rock chrétien. Mais on pourrait en fait quand même parler de spiritualité. C'est aussi un rock ou une musique spirituelle. Bien, c'est beaucoup en lien avec l'intérieur aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher au fond de nous quand nous on la compose, mais aussi les gens qui l'écoutent. Puis, tu sais, c'est sûr que cette chanson-là, on peut sentir la profondeur, qui est pas nécessairement des fois c'est pas toujours palpable ou exactement le message, comme tu sais, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, ça peut porter interprétation. C'est une émotion aussi. C'est ça. Puis c'est sûr que c'est en lien, c'est direct avec la foi. Parlant d'émotion, oui. Cette chanson-là, vous l'avez entre autres chantée aux États-Unis, à Hollywood, oui. Je pense. Oui. Et vraiment, ça a été très bien reçu. Cette chanson-là, les Américains ont adoré. Ils ne comprenaient pas les mots, mais à l'intérieur d'eux, justement, comme Johnny disait, ça a été chercher une émotion, une certaine de liberté aussi. Puis ce qu'il nous disait, c'est dans toutes les chansons que vous avez faites ce soir, puis c'était quand même une grosse salle, c'était le Whiskey à Gogo, en plein sur la Sunset Strip, où il y a des gros groupes hard rock. Bien, cette chanson-là, qui est très mélodieuse, a touché beaucoup, beaucoup de gens. Donc, c'est vraiment le signe qu'à travers l'émotion, on peut ramollir les cœurs et les faire fondre un petit peu. Même l'inconscient. C'est quoi l'importance pour vous quand même des racines de l'histoire
l'histoire du Québec? Parce que, comme je disais, vous l'utilisez quand même beaucoup dans vos chansons, mm-hmm. mais vous disiez justement, quand même dans une idée de dire, mettons-nous tous ensemble, là, il y a ce côté oui. rassembleur-là, mais les racines, c'est important? Oui, bien en fait, nous, on est tous deux Québécois, puis on trouve ça important, c'est d'où on vient, puis oui, notre peuple a une histoire, mais il faut aussi s'enrichir de l'histoire des autres. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on veut faire, c'est être appelé à aller faire notre matériel aussi aux États-Unis, aussi en Europe, pour montrer aux gens de la planète que le Québec a des richesses incroyables, tant au niveau artistique, tant au niveau culturel, au niveau des affaires, au niveau de la littérature. Donc, c'est de montrer à la face du monde que, oui, on est du Québec, puis on est un peuple qui se relève, mais il faut se tenir la main à quelque part. Donc, au niveau des valeurs aussi, effectivement, oui. on est assez accueillant généralement, quand même oui. assez ouvert, oui. c'est ce qu'on dit de nous en tout cas. Puisqu'on parle quand même des États-Unis et de nous, il faut le dire, hein, la musique spirituelle, le rock chrétien est évidemment beaucoup plus présent aux États-Unis. Mm-hmm. Comment vous avez trouvé ça, justement, quand vous allez aux États-Unis? J'imagine que vous devez être comme des poissons dans l'eau. Accueilli, là, ouais. Puis c'est sûr qu'il y a un grand courant de Christian rock, rock chrétien là-bas, qui ça devient de plus en plus gros. À Los Angeles en particulier, donc la musique très présente dans les églises, puis... D'un point de vue moderne aussi, parce que on sait qu'au Québec, il y a souvent des chants, c'est du vocal, puis beaucoup d'orgue. Tandis que là-bas, ben, des fois, il y a des bandes, il y a des guitares, une basse, batterie. Oui. Fait que c'est super intéressant. Puis c'est sûr que nous, là-bas, on arrive avec un son exotique aussi, donc on vient pas de là. Donc eux, ils perçoivent ça différemment, puis ça crée une certaine... attrait, tu sais, avec aussi la langue française qui est une langue poétique qui a beaucoup de... Je dirais, c'est très esthétique comme langue, tu sais, donc... Votre musique, évidemment, c'est pour tout le monde. Oui. Les laïcs aussi, clairement. Oui. mais dites-moi quand même pour vous l'importance, justement, de la foi ou en tout cas de cette espérance, en tout cas, que vous avez manifestement. Bien, en fait, quand on regarde les journaux, quand on regarde la télévision, on dirait qu'il y a une espèce d'ampleur de violence qui se décuple, une espèce de courant négatif. Et nous, on se dit, mais là, il faut raccrocher les gens à quelque chose pour qu'ils puissent poursuivre dans leurs difficultés. Moi, personnellement, la musique et la foi m'ont aidé à passer à travers beaucoup de difficultés. Puis on sait que la musique, sans même dire un mot, ça vient donner une énergie aux gens. Donc, la mission de Rockin' Soul, c'est vraiment sur la musique rock, sur les valeurs du christianisme et aussi les valeurs de vie, parce que la musique, ben ça redonne vie. Donc, quand on voit tout ce qui se passe, ben c'est de faire un arrêt dans la tête des gens. Regardez, c'est possible de faire une différence dans nos actions. Puis, on n'a pas besoin de faire des gros, gros projets. C'est dans le quotidien. Puis, ce message-là, c'est un enseignement en même temps, cette musique-là. Des aussi. Actions, vous en faites aussi à travers votre musique. Vous avez aidé à sauver une église, disons-le comme ça. Oui, en fait, à l'église Saint-Pierre du lac de Valbriand, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. On a fait un concert bénéfice le 29 mars dernier. Et puis, c'est justement pour aider à l'église à rester debout, parce qu'on sait très bien que... Ben, la toiture et tout. Oui, là, puis ouais. j'ai chauffé ça, ces oui, grosses bâtisses oui, effectivement. Et puis, ça a fait un beau succès. Les gens étaient contents. Ça a permis justement l'unité de la communauté qui était tout à fait découragée à se donner la main, à aller chacun dans leurs forces respectives versus le projet de musique pour faire un... puis garder cette église-là debout. Donc, ça donne un deuxième souffle. C'est même l'unité entre les âges, parce que oui. en même temps, le rock, c'est très associé, mettons, à un jeune public. Mais dans le fond, il y avait beaucoup de personnes plus âgées qui étaient là. Puis, tu sais, c'est sûr que le rock, c'est quand même fort en général, tu sais, au niveau du volume. Puis ils ont très apprécié, ils ont tous resté là, puis on a eu que des beaux commentaires après. Vous les avez rajeunis un peu aussi. Oui, il y a une dame d'ailleurs, elle avait 70 ans, puis elle a dit « Mon Dieu, je viens de découvrir que je suis une rockeuse dans l'âme. » C'est bon, il n'est jamais trop tard. Oui. C'est bon. Le temps file rapidement. Quand vous allez faire ce spectacle là, du côté de la Basilique Notre-Dame, il y aura, j'imagine, de vos compositions et peut-être aussi des classiques?
Oui, exactement, oui. Parce qu'en fait, étant donné qu'on est un groupe émergent, c'est toujours plaisant de faire quelques chansons que les gens connaissent déjà. Donc, non seulement on va avoir nos compositions originales, mais on va aussi avoir des covers, c'est un mot anglais. Des reprises de chansons bien connues. Des chansons, d'ailleurs, de Leonard Cohen avec le fameux Alléluia, mais aussi on va avoir des covers de Evanescence et puis aussi du groupe Foo Fighters et une pièce de Metallica. Donc, ça fait... Cranberries aussi. Oh oui, groupe mon de Dieu, Cranberries, oui. Intéressant. Donc, avec le son en église de la basilique qui a une acoustique parfaite et tout le système d'éclairage pour les représentations et la lumière fût, ça va donner une représentation incroyable. Cranberries, est-ce que vous y voyez un aspect spirituel? Oui, la chanson, entre autres, « Zombie in your hands », ça fait... évidence. Référence. Exactement. C'est entre tes mains, c'est entre les mains aussi du ciel. Donc, c'est la collaboration de nous en tant qu'êtres humains et la foi de faire une différence quand tout semble virer à l'envers. Donc, cette chanson-là parle de la guerre, beaucoup, beaucoup. Puis, on sait qu'on est dans un temps où ce que la guerre prend une effervescence ailleurs. Ici, au Québec, on est chanceux, là, mais oui. on pourrait faire un peu plus de place à la paix, effectivement. Oh, que oui. on va vous réentendre encore quelques mesures en musique, mais il faudra aller vous voir, vous entendre pour ce spectacle. Je le rappelle, donc, c'est samedi. Oui. 19h30, mais les portes ouvrent à 19h. C'est à la Basilique Notre-Dame de Montréal. Oui, puis les gens peuvent se procurer les billets sur le site d'admission, dans tous les centres d'admission et aussi à la porte. Et il y a le magasin Steve's Music qui est juste à côté, là, qui ont des billets également. J'ai un numéro de téléphone, je ne sais pas, c'est où, 514-419-3998. Oui, c'est nous, donc les gens, ils peuvent les avoir personnellement aussi par notre équipe. Je leur redonne alors le numéro 514-419-3998. Jenny Paquette, merci beaucoup. Merci. Et Marianne Peter, merci beaucoup. Merci à vous. De la formation Rockin' Soul, on va entendre un extrait de Hold On. On en dit quoi de cette chanson-là? Hold on, ça veut dire accroche-toi. Donc, quand tout semble impossible, il faut s'accrocher à quelque chose. Donc, conservant un espoir, sans doute aussi, que les choses iront mieux. On va écouter ça, puis dans un instant, on parle danse avec Judith. Merci. Merci beaucoup. Hold on for my love. Cause I don't wanna get my flight delayed. Take so much strength not to give up. Cause think of your face is the only way. Drawing lights up above. Are they for you and I? Now I pray. And arise my hope.
Il nous avait parlé de ce petit côté quand même électrique, rock, qui a pas déplu quand même, même à des gens d'un certain âge. C'est le groupe Rock and Soul, je vous le rappelle, et ils sont en spectacle du côté de la Basilique Notre-Dame. C'est samedi 5, le 5.